إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Nous arrivons à notre avant-dernier cours de la partie croyance de ce magnifique ouvrage qu'est Minhaj al-Muslim. Nous avons vu dans le cours précédent ce que nous devions en termes de dogme et de credo envers les compagnons du messager d'Allah wa wa ainsi qu'envers les membres de sa famille. Dans ce cours-ci, nous allons voir ce que nous devons en termes de croyance envers les savants des musulmans. Et le prochain cours, incha'Allah, qui clôturera cette partie sur la croyance, nous y traiterons de la croyance et du credo que nous devons envers les détenteurs de l'autorité. Donc le shir, rahimahullah, nous dit Alors, à l'égard des savants de l'islam, qu'ils soient les lecteurs du Coran, qu'ils soient les savants du hadith, ou qu'ils soient les juristes consultes, spécialistes de la science du fiqh. Il nous dit premièrement Premièrement, on les aime, nos savants. On invoque la miséricorde d'Allah pour eux. Et on demande pardon à Allah pour eux. On invoque le pardon d'Allah pour eux. On reconnaît leur mérite. لأنهم ذكروا في قول الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Le شيخ nous dit qu'on leur doit tout ceci car ils sont évoqués implicitement dans la parole d'Allah سبحانه وتعالى Lorsqu'il dit Et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les a agréés et ils l'ont agré, agréé. Et qui est voulu par là si ce n'est les savants de l'islam De même qu'ils sont également mentionnés de manière implicite dans le hadith du messager d'Allah, qui est unanime authentique, lorsqu'il dit les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. Donc, qui sont ces trois premières générations bénies, décrites comme étant les meilleures de la communauté de l'islam, si ce n'est la génération de nos plus illustres savants الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله تعالى ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهو إذن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات Donc le nous dit que la grande majorité des illustres lecteurs du Coran, ceux qui ont porté cette charge lourde d'apprendre le Coran par cœur, puis de le faire mémoriser aux gens, de l'inculquer aux gens, de le transmettre aux gens, de le faire lire aux gens afin de sauvegarder la révélation coranique telle qu'elle est descendue sans la moindre déformation. Et bien la majorité des grands lecteurs, la majorité des grands savants du hadith la majorité des grands jurisconsultes, des grands exégètes du Coran étaient justement des gens de ces trois premières générations dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et dont il a témoigné qu'ils étaient les meilleurs de cette communauté. De la même façon que Allah subhanahu wa a fait dans le Coran les éloges de ceux qui demandent pardon pour ceux qui les ont précédés dans la foi. C'est-à-dire que toi, tu vas demander pardon à Allah pour tous les musulmans qui sont venus bien avant toi et qui t'ont précédé sur l'islam. Comme on le voit dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, verset numéro 10, où Allah azawajal dit en citant ces gens qui demandent pardon pour leurs devanciers Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Ainsi donc, en, de, en faisant cette dua là, cette invocation là, eh bien, on demande pardon pour tous les croyants et toutes les croyantes. Deuxièmement, «» <a> <bikhair> nos savants, on ne les évoque qu'en bien. C'est-à-dire qu'on ne dit que du bien de nos savants. «» <a> <bikhair> Et on ne critique pas dans le sens péjoratif du terme, leurs paroles et leurs opinions. Bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord avec certaines opinions de certains de nos savants, mais dans ce cas-là, on critique la parole d'une critique scientifique, vouée et destinée à nous amener à aboutir à la vérité. Et on ne prend pas en raillerie justement la parole de ce savant, voire carrément le savant lui-même, sous prétexte qu'on diverge avec lui sur une question donnée et pourquoi on se comporte bien avec eux et qu'on ne critique ni eux ni leurs avis d'une critique acerbe et dénuée de, toute, de tout euh, aspect scientifique et bien car on sait que s'ils ont émis tel avis et telle opinion ils ne l'ont fait que par ijtihad. Ils ne l'ont fait que suite à un effort de réflexion. Ils ne l'ont pas fait pour suivre leur passion. Ils ne l'ont pas fait comme ça, au pifomètre, c'est-à-dire sans science, sans connaissance, et ils se sont amusés à donner comme ça des jugements euh, sortis de leur chapeau. Non, ils l'ont fait car ils étaient des mouchtahidoun. C'était des savants aptes à fournir des efforts de réflexion dans la religion. Et s'ils ont bon. Alors, ils auront deux récompenses, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et s'ils se sont trompés, eh bien, ils auront malgré tout une récompense, car ils ont fait l'effort de chercher la vérité sur cette question donnée. Ces gens-là étaient mukhlisin et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le contenu des poitrines. Mais nous avons bon espoir et bonne bon opinion envers eux, Qu'ils cherchaient véritablement la face d'Allah subhanahu wa taala lorsqu'ils émettaient des fatwas ou lorsqu'ils émettaient des jugements. On se doit donc de faire preuve de bon comportement et d'une tenue irréprochable et d'une attitude noble lorsque on les évoque. Et ces savants, notamment les savants des trois premières générations, on se doit de préférer leurs avis aux avis de ceux qui sont venus après eux. Ben pourquoi Parce qu'on a vu que ce sont les meilleurs. C'est la meilleure des générations. Donc les premiers savants seront forcément meilleurs que les derniers savants en termes de chronologie. Donc on doit préférer leurs avis. Aux avis des savants venus après eux. On doit préférer euh, leurs avis à ses propres avis même. Et on doit euh, préférer les opinions qu'ils ont eues à l'égard de telle et telle situation. Euh, on doit préférer donc leurs opinions aux opinions de ceux qui sont venus après eux en termes de savants, de jurisconsultes, d'exégètes et de savants du hadith. On ne doit donc délaisser la parole de nos premiers savants et de leurs avis, si ce n'est pour la parole d'Allah ou bien la parole de son messager ou la parole d'un des compagnons du messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce deuxième point qu'évoque le Shir C'est que par exemple, lorsque j'ai la parole d'un savant des premières générations, prenez par exemple l'imam Malik, et que de l'autre côté, j'ai la parole d'un savant contemporain, prenez par exemple la parole de Shir euh, euh, Sulaiman Arouhaili. Par exemple, quelle parole je dois préférer La parole de l'imam Malik ou la parole de l'imam Suleiman al-Ruhayli, Hafizahullah, l'imam Malik. Eh bien, le chef nous dit tu dois préférer la parole du savant le plus ancien. Car, selon le témoignage du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa lui-même, il était meilleur. Donc, l'imam Malik est forcément meilleur que l'imam Suleiman al rouhaïli Et cela n'est pas du dénigrement. Cela est simplement concrétiser la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Mais le Cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi rahmatullahi alayhi nous dit toutefois une chose importante. Il nous dit, et on ne va délaisser la parole de l'imam Malik pour, par exemple, la parole de sheikh Suleiman al-Ruhaïli que si le premier ne se base pas sur un verset du Coran, sur un hadith du messager d'Allah ou sur une parole de compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, alors que le deuxième oui. Alors que dans notre exemple, Sulaiman al-Ruhayli, lui il va nous dire Allah a dit ceci, le messager d'Allah a dit cela, tel compagnon Ibn Abbas, Ibn Omar Ibn Mas'ud a dit cela. Donc en réalité, lorsque je vais suivre sur cette question-là l'avis de Cheikh Sulaiman al et non pas l'avis de l'imam Malik, je le fais parce qu'en réalité, c'est Allah que je suis. C'est le verset coranique qu'il m'a apporté que je suis. C'est le hadith prophétique que je suis. C'est le hafar de tel compagnon que je suis. Donc voilà comment il faut comprendre ces propos. Bien entendu, vous vous doutez bien que nos plus illustres imams parmi les premières générations se basaient eux-mêmes très souvent sur des preuves tirées du Coran, de la Sunna et des paroles de compagnons. Ils ne se basaient pas sur du vent. Mais il peut arriver parfois que, comme on le dit, la preuve ne leur soit pas parvenue. Et que sur une question donnée, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, même l'imam Ahmed, immense compilateur de hadiths, n'ait pas eu vent de tel hadiths. Puis qu'il ait fini par nous arriver jusqu'à nous, et qu'il soit arrivé aux oreilles de Sheikh Sulaiman al Et alors ce dernier savant contemporain reposera sur une preuve que ne connaissaient pas les premiers savants. Et alors, qui est-ce qu'on doit suivre sur la question Eh bien, on suit celui qui repose sur une preuve claire du Qur'an et de la Sunna. Mais de façon générale, oui, nous privilégions nos premiers savants sur les derniers savants et nous préférons leurs opinions à eux plutôt que les opinions des derniers savants. Troisièmement, « Inna madounahu al-aimmatul-arba'a euh, » Pardon, « Inna madouwanahu al-aimmatul-arba'a » Malik, wa sh-shafi'i, wa Ahmed, wa Abu Hanifa, « wa ma ra'awhu, wa qaluhu min masaili din wa al-fiqh wa al-shara'i هو مستمد من كتاب الله وسنه رسوله وليس لهم الا ما فهموه من هذين الاصلين او استنبطوه منهما او قاسوه عليهما اذا اعوزهما النص منهما او الاشاره او الايماء فيهما Et ici le cherche en troisièmement nous dit ce que je viens juste de vous expliquer C'est que ce qu'ont compilé les quatre savants, les fameux quatre savants, auteurs et fondateurs des quatre écoles Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam shafii et l'imam Ahmed. Il nous dit, eh bien, ce qu'ils ont compilé et réuni en termes de fiqh et d'opinion jurisprudentielle, ce qu'ils ont dit, les fatwas qu'ils ont émises, Etc. Toutes ces questions traitant de la religion, de la croyance et du fiqh et de la législation, tout leur héritage n'est basé que sur Kitabullah wa Sunnati Rasulillah. C'est basé uniquement sur qala Allah, qala Rasulullah. Il ne faut jamais penser que ces savants-là, la majorité du temps, eh bien, ils parlaient sans science. Ils, euh, ils, y allaient dans la religion à tâtons, à l'aveuglette. Non, ils essayaient toujours de se baser sur le Coran et sur la Sunna. Et s'ils n'avaient ou, ou bien au à minima ce qu'ils comprenaient du Coran et de la Sunna et ce qu'ils déduisaient du Coran et de la Sunna, quand sur une question donnée il n'y avait pas la réponse à un problème survenus à leur époque dont la réponse ne se trouvait pas clairement dans le Coran et la Sunna eh bien qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient des analogies sur ce qui ressemblait le plus à cette situation dans le Coran et la Sunna et alors ils faisaient ce qu'on appelle un qiyas, une analogie puisque le jugement de telle question est que c'est halal eh bien alors le jugement de cette nouvelle chose qui vient d'arriver à notre époque et qui n'existait pas du temps de la révélation comme ça ressemble beaucoup et qu'il y a les mêmes tenants et aboutissants eh bien on va y appliquer le même jugement et donc on va dire que c'est halal. Voilà ce que c'est qu'un qiyas. Donc on voit que nos savants, notamment les quatre écoles, ne se basaient pas sur du vent, elles se basaient toujours sur le Coran, la Sunna voir ce qu'elle déduisait du Coran et de la Sunna et ce qu'elle pouvait faire d'analogie vis-à-vis du Coran et de la Sunna sur les questions nouvelles qui n'étaient pas explicitement présentes et mentionnées dans le Quran et la Sunna Quatrièmement Yara il il ja'izun وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل ما لم يعارض بنص أو ما لم يعارض بنص بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يترك قول الله أو قول رسول الله لقول أحد من خلقه كائنا من كان وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كما في سوره الحجرات، آية واحد. الآية الأولى. وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما في سورة الحشر، الآية السابعة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كما في سورة الأحزاب الآية السادسة والثلاثين وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده Ici le Shir nous parle d'un point fondamental dans lequel se sont euh, plus ou moins égarés de nombreuses personnes. Certains sont tombés dans un extrémisme à ce sujet, et d'autres sont tombés dans un laxisme à ce sujet. Ce sujet-là, c'est justement le taqlid, le suivi des savants. Est-ce qu'il est permis de suivre un savant ou est-ce qu'il est interdit de suivre un savant Eh bien, on, on a vu malheureusement naître deux extrêmes. Il y a les extrémistes qui disent on doit obligatoirement suivre un seul savant dans tout ce qu'il dit et on n'a pas le droit de sortir de ses avis. Donc, moi, je suis malikite et je n'ai pas le droit de sortir du madhab malikite pour aller prendre le madhab de l'imam Ferri ou Ahmed ou Abu Hanifa. Sur une question donnée, quand bien même c'est vrai que j'ai été vraiment convaincu par l'avis contraire à mon mazhab. Et on a des pas des laxistes, mais d'autres extrémistes qui disent qu il est interdit pour quiconque de suivre aveuglément un savant. Même le débutant qui n'a même pas la langue arabe, qui ne connaît absolument rien du fiqh, il ne sait même pas faire son rodeau, il lui est interdit de se contenter du mazhab de l'imam Malik, mais il doit suivre Ad-Dalil, hein, comme ça, il doit suivre Ad-Dalil. Est-ce que c'est tout noir ou tout blanc comme le prétendent ces deux parties-là Eh bien, le chir nous dit que en termes de croyance, là, on est toujours dans la rafida. Vous voyez, on parle des écoles de fiqh, mais il y a une rafida, il y a une croyance qu'on doit nourrir envers nos savants, envers la façon dont on appréhende la science. Le chir nous dit. On doit considérer que prendre ce qu'ont compilé ces illustres imams, ces montagnes de sciences, on n'est pas en train de suivre Monsieur Tartampion, on n'est pas en train de suivre les fatawas de Chalgoumi et de tels imposteurs de l'islam. On est en train ici de suivre les pas des montagnes de sciences euh, qui ont, euh, comment dire, qui ont fait l'objet de l'unanimité de la communauté euh, quant à leur savoir à leur piété à leur euh, scrupule etc donc on est en train de parler de de certains de nos modèles à suivre et en l'occurrence les fondateurs des quatre écoles ce sont vraiment des modèles à suivre dans la religion donc bien sûr ils ne sont pas les seuls et surtout, ils n'étaient pas les seuls à l'époque. Il y en avait une vingtaine de grands Mouchtahidoun à leur époque. Il y avait Soufian ibn Aungayina, Soufian al thawri euh, Abu Thawr, Leith ibn Sa'd, etc. etc. Euh, Abdullah ibn al-Mubarak. Il y en avait tellement. Donc, le cheikh nous dit nous devons croire que prendre les avis, les fatawa et la science, le fiqh et la aqidah, que ces sommités de la science ont compilé, est autorisé. On a le droit de les suivre dans ce qu'ils ont dit et émis comme avis. Et on n'est pas obligé d'essayer de trouver la vérité par nous-mêmes en piochant nous-mêmes directement dans le Coran et la Sunna. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, nous n'avons même pas la langue arabe. On fait quoi On prend une traduction ultra maladroite du Coran en français et une traduction ultra maladroite de Bukhari en français. Et puis c'est tout, parce que euh, Sahih euh, 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 Muslim ça n'a pas été traduit, Abu daoud ça n'a pas été traduit, Nasaï, ça n'a pas été traduit, Ibn Majah, ça n'a pas été traduit, le Mousnad de l'Imam Ahmed, il n'a pas été traduit. Donc en gros, je suis coincé avec deux livres devant moi, une traduction du Coran et une traduction du, du Sahih Bukhari. Et sur la question de l'essuyage sur les bottines, ben, je vais essayer de trouver la vie le plus juste moi-même, parce que je dois suivre à Dalil. Ben, alors, voilà, je vais le chercher moi-même le Dalil. Le cher nous dit non, tu as tout à fait le droit de te réfugier derrière le bouclier de ces montagnes de science et de suivre leurs avis. Et tu as le droit d'œuvrer en fonction de leurs avis, de leurs opinions, des fatawa, de l'école juridique qu'ils nous ont légué en héritage. Mais, il y a une condition. Et c'est là qu'on voit toute la nuance et toute la justesse de l'avis du shir. Oui, on a le droit de les suivre. Il n'y a aucun mal à suivre l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Abu Hanifa, etc., etc. Mais à partir du moment où ne vient pas à la contredire un texte clair et authentique, que ce soit du Coran ou de la Sunna, et qui irait... Justement, contredire l'avis de ton école. Alors, dans ce cas-là, si tu tombes en présence d'un texte, il y a deux conditions. Le texte, il doit être sarih, c'est-à-dire il doit être clair, sans équivoque. Il n'y a pas il n'y a pas plusieurs interprétations possibles. Il est sans équivoque. Et deuxième condition, il est authentique. On ne se base pas sur un hadith baïf, faible. Etc. À partir du moment où le texte il est authentique et sans équivoque, et il me dit ah ou il me dit Halal, alors que dans mon école, elle me dit Haram, on va plutôt employer euh, des, des, un argument euh, moins extrême. Dans mon école, on me dit Wajib, et, 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 et la vie me dit Haram, eh bien je dois suivre l'avis du Coran l'avis de la Sunna plutôt que l'avis de mon école. Je vous donne un avis tout bête. Même si cette question elle a beaucoup fait couler d'encre, et ce n'est certainement pas moi, à mon modeste et misérable niveau, qui vais trancher la divergence et qui vais euh, amener euh, l'ensemble des musulmans de la planète sur la vérité. Cette question, c'est lorsque j'arrive... À la mosquée, pendant que l'imam fait son discours, son prêche, le jour du vendredi. Qu'est-ce que je fais Je m'assois directement Ou bien je prie deux rak'ah, deux unités de prière, tahiyatul masjid Eh bien, les savants ont divergé. Vous savez que Abu Hanifa et l'imam Malik préconisent de s'asseoir et de ne pas faire tahiyatul masjid. Pourquoi La preuve ne leur est pas parvenue, ils n'ont pas reçu le hadith Probablement. Probablement qu'ils n'ont pas reçu le hadith qu'a reçu l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed qui eux voient que tu dois faire tahiyatul masjid même si l'imam il est en train de faire son sermon. Pourquoi et Bien parce que le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa a donné le jugement quant à cette situation et le jugement il est sarih ou sahih, Il est clair, sans équivoque et il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée le jour du vendredi et que l'imam yachtoub, il fait sa khutba, Fal yarka dans une version qu'il fasse deux unités de prière légères, et dans une version qu'il les écourte, qu'il les fasse rapidement. Donc oui, tu les fais rapidement tes deux unités, mais tu les fais quand même. Tu ne t'assois pas alors que l'imam fait sa khutbah et que tu viens de rentrer dans la mosquée. Donc là, on a un texte clair. Vous pourriez vous dire bah alors, comment ça se fait que Malik et Abu Hanifa n'ont pas tenu l'avis qui dit qu'on doit faire Tahiyatul Masjid lorsqu'on rentre à la mosquée alors que l'imam fait sa khutbah Eh bien, on peut dire il se peut que la preuve ne leur soit pas parvenue, mais eux-mêmes se basent sur des preuves. Comme on l'a dit, ils se basent très souvent et la plupart du temps sur des preuves. Donc eux, ils vont vous apporter des preuves. Et notamment, la preuve euh, renfermée dans la parole elle-même authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa est claire et limpide. Lorsque l'imam délivre son sermon, ne dis pas à ton voisin, ansit. Ne dis pas à ton voisin, Chut »« fais silence, tais-toi. Car celui qui dit à son voisin « Fais silence », il a certes commis une distraction, une futilité. Donc ils disent que si le simple fait de dire à son voisin « Tais-toi » parce qu'il gêne l'écoute du prêche et que ce « Tais-toi », ça fait partie du « Amrou bil ou « Nahi anil munkar » ça fait partie de l'ordonnance du bien et de la réprobation du blâmable. Eh bien, cette ordonnance du bien et cette réprobation du blâmable, en temps normal, c'est un, une obligation dans notre religion. C'est un fondement de notre religion obligatoire. Eh bien, si là, je n'ai même pas le droit d'appliquer ce fondement obligatoire de ma religion parce que l'imam délivre son sermon, et donc moi-même, je dois me taire, quitte à m'empêcher de dire à mon voisin de me taire. Alors ce n'est pas pour me distraire avec deux unités de prière. Donc vous voyez, en réalité, tout le monde a des preuves sur lesquelles il repose sur la plupart des questions données. Ne pensez pas que nos grands imams et les grands fondateurs des écoles, ce sont des ignorants qui ont émis des avis comme ça euh, sans science et que vous, en 2024, vous avez mieux compris que la science. Donc respectez-les. Faites preuve d'adab, de bon comportement vis-à-vis de, vis -vis de l'héritage qu'ils nous ont légué, mais malgré tout, par exemple sur cette question, chacun a porté sa preuve, mais le problème c'est que la preuve de Rasulullah, la preuve des Malikites et, et de Abu Hanifa et autres qui ont vu cet avis-là qu'on s'assoit directement, ils ont dit, voilà, on n'a pas le droit de dire à son voisin, tais-toi, mais peut-être que de ce jugement général de ne pas se laisser distraire lorsque l'imam fait sa bas on peut, on peut euh, comment on appelle ça, al istifna on peut euh, retrancher un jugement particulier, extraire et, 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 et mettre une exception à la généralité, et l'exception, ce sera juste Tahiyatul Masjid. Tahiyatul Masjid, c'est entre guillemets l'exception qui confirme la règle. Exceptionnellement, lorsque je rentre, je peux me distraire par ces deux racas ces deux unités. Et une fois que je les ai terminés rapidement, je ne dois plus me laisser distraire par quoi que ce soit. Et ainsi, j'aurais mis en application les deux hadiths du messager d'Allah sallallahu alaihi wa, alayhi wa Et comme il y a un hadith qui est clair et authentique sur la question, lorsque je rentre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'assois ou pas? Eh bien là, je suis coincé, je peux pas sciemment, alors que j'ai eu vent de ce hadith, qu'on m'a dit qu'il était authentique, que je vois qu'il est clair et limpide, je peux pas continuer à m'obstiner à suivre aveuglément la vie de mon école. Donc, l'imam, le sheikh Jabir, rahmatullahi alayhi, nous dit c'est tout à fait autorisé de suivre ton école. Suis-là du début à la fin, si ça te fait plaisir, tu n'as pas envie de te casser la tête à regarder tous les avis parce que t'as pas le niveau pour juger quel avis est le plus fort. Mais malgré tout, à partir du moment où tu tomberas de toi-même, ou qu'on te présentera un avis avec la preuve authentique et claire qui contredit ton école, alors là tu seras dans une impasse. Là tu ne pourras plus faire l'autruche. Tu ne pourras plus faire l'aveugle et tu ne pourras plus suivre aveuglément et opiniâtrement ton école et tu devras en sortir. Donc, on a dit, on n'est ni dans un extrême, ni dans l'autre extrême, ni l'extrême qui condamne les écoles juridiques et qui dit tout le monde doit faire l'Ijtihad de son propre chef et on doit tous suivre Ad-Dalil et la preuve et vous trouverez que, en général, les partisans de cet avis-là, ce sont eux-mêmes des fanatiques de trois, de trois quatre savants. Ibn Uthaymin, Al-Albani, Bnubaz, Sheikh Fawzan. Et ils sortent très, très rarement de ces quatre savants. Puis ils reprochent à d'autres de justement suivre quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, alors qu'ils font exactement la même chose, mais avec quatre imams contemporains. Or, on a vu, entre les quatre premiers imams et les quatre derniers imams, les plus méritants et les plus en droit d'être suivis, eh bien c'est bien les quatre premiers. Cependant, on ne suit personne aveuglément, ni les quatre premiers, ni les quatre derniers. Quelles sont les preuves de tout cela Quelle est la preuve que je n'ai pas le droit de rester figé dans mon école juridique à partir du moment où on m'a apporté la preuve que la vie de cette école sur cette question donnée, il était marjouh. Il était, comme on appelle ça, euh, il n'était pas prépondérant. C'était plutôt la vie contraire qui était la vie prépondérant et la vie le plus juste. Eh bien, on a la parole d'Allah, dès le début de Surat al-Hujurat, les appartements, où il nous dit dans le premier verset Ô oh, vous qui avez cru, ne précédez pas le messager euh, ne précédait pas pardon Allah et son messager donc on ne les précède pas notamment en jugement je vais pas tenir un jugement A alors que Allah et son messager ont émis le jugement B à partir du moment où ils ont émis un jugement je me range à leur jugement et je ne vais pas les chercher le jugement d'autre que eux deux si je vois que mon école allait en contradiction frontale avec l'avis émis dans le Coran et la Sunna et ce sera généralement très rare puisque comme je vous l'ai dit les quatre écoles se basent quasiment toujours sur le Coran et la Sunna alors je choisis plutôt l'avis clair du Coran et de la Sunna bien sûr quand je dis je choisis c'est-à-dire je choisis l'avis du savant qui m'a apporté la preuve du Coran et de la Sunna qui est claire et authentique c'est pas moi qui vais Piocher directement dans le Coran dans et la Sunna, alors que je n'ai aucune science, ni de, je n'ai même pas la langue arabe, je n'ai pas la science du fiqh, je n'ai pas la science des fondements, al-Usul, je n'ai pas la science du Mustalah ou hadith pour savoir si le Hadith il est Darif ou il est sahih, etc. Je n'ai pas la science du Nasir al mansour, l'abrogeant et l'abroger, etc., etc. Donc je suis toujours un savant, que ce soit le savant d'une des quatre écoles, ou un savant contemporain, l'important c'est de suivre un savant. Et je vais essayer de suivre le savant qui m'aura apporté la preuve la plus éloquente, la plus prépondérante, la plus évidente et la plus authentique. Dans un autre verset, Allah nous disait Et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a, et ce dont il vous a défendu, alors abstenez-vous-en dans la sourate l'exode verset numéro 7. Donc on voit que à partir du moment où j'ai un hadith qui me dit quelque chose, je n'ai pas le droit de me soustraire à l'ordre ou l'interdiction qui est comprise dans ce hadith. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala wa m'a dit lorsque je rentre à la mosquée, je et que l'imam fait son sermon, je prie deux rak'a, eh bien j'obéis J'obéis. J'ai entendu, j'obéis. Je ne vais pas lui dire Oui, mais dans mon école, l'imam Malik, il a dit On ne s'assoit pas. Oui, mais moi, je te dis que Rasulullah t'a dit euh, euh, Pardon, oui, mais dans mon école, l'imam Malik, il a dit On doit s'asseoir. On ne doit pas faire de raka Oui, mais moi, je te dis que Rasulullah, il a dit le contraire. Donc, je fais quoi Je suis la parole claire du messager ou je suis la parole claire de l'imam Malik, rahmatullahi alaihi Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Malik, ce n'était pas un ange infaillible. Et ce n'était pas un messager d'Allah qui recevait directement la révélation d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Avec tout le respect que nous lui devons et tout l'amour que nous lui vouons et nous lui portons comme nous l'avons vu dans les deux premiers points, ce troisième point, ou plutôt ce quatrième point, nous explique qu'on ne doit pas non plus le considérer comme un être infaillible qui n'a jamais pu se tromper dans le moindre de ses avis. Et cela vaut pour tous les savants et même les contemporains. C'est pareil pour Cheikh Ibn Uthaymin, Sulaiman al On ne les prend pas pour des savants infaillibles qui ne se sont jamais trompés. Ouais, moi je ne suis pas l'école le, 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 de l'imam Malik. Je préfère prendre tous les avis de Ibn Uthaymin. Oui, mais forcément, dans tous ses avis, il aura fait une erreur ou deux. Parce qu'il n'est pas infaillible. Il n'est pas à l'abri de l'erreur lui-même. D'ailleurs, combien de nos savants ne reviennent pas euh, parfois sur leurs erreurs, j'allais dire régulièrement, régulièrement dans le sens que c'est leur méthodologie, c'est la méthodologie des gens de la Soudnée et du groupe, lorsqu'ils font une erreur, ils ne s'enorgueillissent pas à revenir dessus. Et combien de nos savants passés contemporains nous l'ont prouvé, qu'ils ne s'enorgueillissent pas à revenir sur leurs erreurs lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Donc ce qui prouve qu'ils ne sont pas à l'abri de tomber dans l'erreur. Donc, ni les premiers ni les derniers, on ne doit les prendre comme des êtres parfaits euh, qui sont préservés de tomber dans l'erreur ou de donner un mauvais jugement, de faire une erreur de jugement. Ça arrive à tout le monde, excepté les messagers qui, eux, sont préservés justement de tomber dans l'erreur dans leur transmission des jugements dans la religion. Allah subhanahu wa nous dit... Dans le verset 36 de la Sourate Al-Ahzab, les coalisés, et il n'appartient pas à un croyant ni une croyante lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir encore le choix d'agir, la liberté d'agir et la liberté d'opinion. Allah me dit c'est haram. C'est haram. J'ai pas commencé à dire attends attends moi je vais quand même faire un ijtihad, je vais chercher peut-être que euh, c'est pas aussi euh, évident et clair que cela, peut-être que bon il y a moyen que ce soit halal. Non non, ça y est. Allah et son messager se sont prononcés sur une affaire. C'est terminé. C'est terminé. Ni toi tu ne vas commencer à essayer de chercher un autre jugement, ni tu ne vas demander à un savant est-ce qu'il n'y aurait pas un autre jugement à partir du moment où Allah et son messager se sont prononcés sur une affaire? Tu n'as plus d'autre choix que d'obtempérer et te soumettre à l'injonction divine, ou à l'ordre, ou à l'interdit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui dois je le rappeler, ne parlait pas sous l'effet de la passion. Donc tout ce qu'il faisait, ce n'était que nous transmettre l'inspiration divine qu'il recevait. Le messager, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui lui-même disait, quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, alors elle est rejetée. On voit ici que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, donnait des ordres, il donnait des directives, il donnait des injonctions qu'on doit suivre. Et quiconque veut se soustraire à ces ordres-là et tracer sa propre route et sa propre voie à sa façon, en s'écartant du chemin du Messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam, alayhi wa alors sa voix, ses avis, ses opinions seront rejetées. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi, et ce hadith est au, unanimement authentique. Et dans un hadith rapporté euh, dans les Arba'in al et que l'Imam al-Nawawi a jugé Hassan, bon, correct, le Messager d'Allah, sachant qual l'Albanie l'a jugé d'arif, faible. Le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa a dit Je jure par celui dont mon âme est dans la main, ne croira l'un d'entre vous que lorsque sa passion sera en conformité avec ce que j'ai apporté. Que lorsque sa passion, ses penchants, concorderont avec ce que j'ai apporté. Donc on voit qu'à partir du moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé sur une affaire à partir du moment où Allah s'est prononcé sur une affaire il ne nous appartient plus de contredire cette affaire là de diverger de chercher autre chose et un autre jugement nous avons entendu et nous avons obéi et nos passions qui aimeraient euh, se soustraire à ces jugements là on doit les dompter et on doit les amener à l'obéissance et à la soumission au jugement d'Allah subhanahu wa taala. Dans le cinquième point, le shikh nous dit yara annahum basharun Et encore une fois, regardez comme il a bien agencé son livre minhaj al muslim. Allahumma barik. Je ne cesserai de, de m'émerveiller de, de la beauté de ce livre et, et et, et, et de la belle composition et de la belle ordonnance que lui a donnée le cheikh rahmatullah alayhi, cinquième mois après avoir vu tout ceci, le chir nous dit et on considère que malgré tout, ces imams qu'il est autorisé de suivre, sauf, entre guillemets, dans l'erreur, lorsque leur parole contredit frontalement le Coran ou la Sunna, eh bien, on ne doit... Pas, on ne doit pas moins les considérer comme de simples hommes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des messagers d'Allah, ce sont des hommes comme nous. En, en termes de, de nature, ils ont une nature humaine, ils n'ont pas une nature angélique, divine ou quoi que ce soit. Ce sont des hommes comme nous. Donc, puisque ce sont des hommes, alors ils, ils ont bon, ils ont juste dans la plupart du temps puisque ce sont des montagnes de science donc ils ont étudié la science ils ont pris la science du livre d'Allah et de la sunna donc forcément leurs jugements seront très très souvent bons et justes mais yurtehoun, mais il peut leur arriver de se tromper comme tout homme peut se tromper et même les messagers auraient pu se tromper si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala qui les avait protégés et prémunis de l'erreur dans la transmission. Sinon, les messagers sont des hommes. Et ce n'est pas pour rien que les messagers ne sont pas à l'abri de tomber dans de petits péchés, comme nous l'avons déjà vu. Donc, le min nous dit <t 'en> Il se peut que l'un d'entre eux, l'une de ces montagnes de science, et ça, ça vaut pour les contemporains, bien évidemment, mais même pour les premiers. Ça vaut pour les fondateurs des quatre écoles, ça vaut pour les savants qui les ont précédés, parce que n'oubliez pas que avant l'imam Abou Hanifa Malik Shafii, il y avait déjà des savants avant eux qui existaient, l'imam An Nakhari, l'imam Al Hassan Al Basri, etc., etc. Vous pensez que ces savants des quatre écoles, ils ont pris la science de qui et Bien, ils l'ont pris de savants qui les ont précédés dans la science, et notamment. De certains qui faisaient partie des tabi'in. C'est pour ça que l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik font partie des ou tabi'in. Les suiveurs des tabi'in. az etc., etc. Donc, ils peuvent, l'un d'entre eux peut manquer la vérité sur une question donnée et se tromper. La ankas des bien entendu, pas volontairement et pas avec dessein. Aucun de ces grands savants, nous ne pourrions penser que volontairement sur cette question, il a choisi de passer à côté de la vérité et de faire une fatwa fausse qui contredirait une vérité qu'il connaîtrait. Reprenez notre exemple de euh, Tahiyatul Masjid lorsque l'imam fait sa bas Pensez-vous vraiment que si l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa avait reçu ce hadith clair sur la question et qu'il voyait que il, il contredisait frontalement son avis. Il aurait rejeté ce hadith-là pour sciemment tomber dans l'erreur et prononcer un et émettre un jugement diamétralement opposé. Impossible. S'ils sont tombés dans l'erreur, on leur trouve des excuses à nos chers savants, et on dit peut-être qu'il ne lui est pas parvenu ce hadith, ou bien peut-être que ce hadith lui est effectivement parvenu, mais qu'il l'a jugé dhaif. Oui, non, juge qu'il est authentique et la plupart des savants jugent qu'il est authentique. Il se trouve que sur ce hadith sur lequel repose une grande partie des, des sur, sur, au sujet de l'authentification duquel repose une grande partie des savants, il se peut que l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, lui, les rejeté et qu'il les considéré faibles et que, dans le même temps, le hadith L'autre hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous a dit, lorsque l'imam fait sa khutba, délivre son serment, tu ne dois pas dire ansit à ton voisin, tu ne dois pas lui dire fais silence. Lui, il est authentique. Donc, moi j'ai un hadith authentique d'un côté, un hadith da'if de l'autre. Eh ben, je vais pas faire précéder le hadith da'if sur le hadith authentique. Donc, vous voyez, il faut toujours essayer de trouver des erreurs à nos savants. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les suivre dans leurs erreurs. Euh, pardon il faut toujours essayer de trouver des excuses à nos savants mais ça ne veut pas dire que si on les excuse on doit malgré tout les suivre sciemment dans leur erreur mais on sait que nos savants ne sont pas infaillibles et ils songent ils ont juste tout comme ils peuvent se tromper sur une ou plusieurs questions données et on sait que lorsqu'ils se sont trompés qu'ils ont eu faux ce n'était pas prémédité ils ne l'ont pas fait sciemment ils n'ont pas cherché volontairement à contredire le Coran et la Sunna comme nous le dit le shir rahmatullahi alayhim ولكن

que par insouciance, c'est-à-dire que voilà, la vérité leur a leur est passée sous le nez, comme on dit. Hein, ils ont manqué, ils ont ils ont eu un moment d'insouciance, d'inattention, et donc ils sont tombés dans l'erreur, comme ça arrive. Ou bien par oubli, ils ont oublié tel hadith qui contredisait leur avis. Ça arrive d'oublier, surtout quand on est une montagne de mémorisation, comme l'imam Ahmed qui connaissait plus de un million de hadiths avec c'est-à-dire un million de chaînes de transmission différentes, eh bien, vous vous doutez bien que ça peut arriver d'oublier un hadith au milieu de tout ça. Ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le hadith. Le Quran, ils l'ont reçu en entier, la question ne se pose pas. Mais le hadith, eh bien, il se peut que sur telle question donnée, ils n'étaient pas en possession de toutes les paroles du messager d'Allah sur cette question. Et donc forcément, bah, ils vont tenir un avis en fonction de ce qu'il possédait de connaissance des paroles du messager d'Allah ala sur la question. Et forcément, ce, celui qui aura l'avis le plus perspicace et le plus proche de la vérité, ce sera celui qui avait en sa possession le plus d'avis du messager, le plus de paroles du messager d'Allah, ala ainsi que de ses compagnons. Donc, on ne doit, nous dit le cheikh on ne doit pas faire preuve de fanatisme aveugle pour l'opinion de l'un d'entre ses savants. C'est-à-dire à partir du moment où elle contredit clairement la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam. Mais... On doit prendre, comme nous le dit le Shir, l'avis de n'importe lequel de ces savants à partir du moment où c'est lui qui détient la vérité, c'est lui qui a raison. Moi, je suis Hanbali, mais sur telle question, j'estime que l'imam Ahmed s'est trompé parce qu'il s'est basé sur un hadith faible, alors que l'imam Malik, lui, il s'est basé sur un hadith qui est authentique. Eh bien, je vais sortir de mon école et je vais prendre l'avis d'un autre savant que le fondateur de mon école. Il n'y a aucun problème. Je n'ai même pas le droit de rester cramponné à mon école volontairement et de faire ce qu'on appelle ce tarassob, ce fanatisme exacerbé et aveugle. Parce que là, tu es en train de faire du fondateur de ton école un être parfait et infaillible. Et tu en as fait un petit peu un messager et un prophète. Donc, les seuls dont il n'appartient à personne de rejeter la parole, c'est Allah et son messager. Quant à la parole de l'imam Malik, la parole de l'imam Ahmed, la parole d'Abu Hanifa, etc., la parole d'Ibn Uthaymin, d'Al-Albani, de Sulaiman Ar-Ruhayli, de Sheikh Fawzan, qu'Allah préserve les vivants et fasse miséricorde aux morts, eh bien, on peut prendre de leurs paroles et on peut les rejeter, à partir du moment où il nous apparaît qu'ils se sont trompés, et il n'y a aucun mal, et cela ne leur nuit en rien, de se tromper parfois, puisque dans la majorité du temps, ces savants reposent sur la vérité et sur la rectitude, et sur des avis conformes au Coran et à la Sunna. Sixièmement, on doit leur trouver des excuses et les excuser lorsqu'ils ont divergé sur certaines questions d'ordre jurisprudentiel, sachant que dans la croyance, ils n'ont quasiment pas divergé, si ce n'est dans le, la définition de la foi chez les Hanafid, comme nous l'avons traité dans notre modeste playlist sur al Aqida Tahawiya, et comme nous l'avons détaillé dans notre traduction de, du magnifique ouvrage de Sheikh al-Rumayes sur la croyance des quatre imams la croyance des imams des quatre écoles Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed on a vu qu'Abou Hanifa avait divergé des trois autres dans la définition de la foi mais en dehors de ceci, leurs croyances étaient identiques. Il n'y avait pas de divergence dans la croyance. Ils appartenaient tous aux gens de la Sunna et du groupe. Par contre, dans le fiqh, dans la jurisprudence, oui, ils ont pu diverger. Et on doit leur excuser cette divergence-là parce que, comme on l'a vu, ils n'ont pas cherché sciemment à contredire le Coran et la Sunna ou diverger entre eux. Mais chacun a fait son effort de réflexion et a tenté de parvenir et d'aboutir à la vérité sur telle question donnée. On doit donc considérer que leur divergence n'émane pas d'une ignorance de leur part, subhanallah. ni même parce qu'ils se sont cramponnés à leurs propres avis. Ils ont préféré. Donner la préséance et privilégier leurs propres opinions plutôt que de se ranger à l'opinion d'un autre mujtahid parce que ce serait un concurrent, un rival ou autre que cela. Jamais, 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 au grand jamais. Mais cette divergence, elle n'émane que de soi parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Celui qui a contredit la vie, euh, authentique et prépondérant. La vie, il se, il, il se, peut que le hadith ne lui soit pas parvenu. Ou en fait, bien que lui, il considère que ce hadith qui pourtant est authentique, certes, il a été abrogé. Alors que toi, tu es, tu, 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 tu estimes qu'il n'a pas été abrogé. Donc forcément, toi, tu vas te baser sur ce hadith. Et moi, je ne peux pas me baser sur ce hadith parce que je considère qu'il a été abrogé par un autre hadith. Vous voyez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les savants ont divergé entre eux. Et d'ailleurs, Cheikh ul-Islam ibn Taymiyyah, a écrit un magnifique ouvrage. Il est court, mais il est d'un bénéfice incroyable Raf'ul-Malam an a'immatil alam Que je conseille à tous ceux qui auront, inshallah Maîtriser la langue arabe, c'est un ouvrage vraiment de référence sur le sujet et qui permet de comprendre pourquoi les savants ont divergé et qui permet de, 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 de comment dire, de retoucher, de reposer les pieds sur terre, d'avoir la tête sur les épaules et, et d'apprendre l'humilité, la modestie, et de comprendre que nos savants c'était pas n'importe qui et ils n'ont pas divergé pour des raisons euh, farfelues et saugrenues comme tu tu te l'imagines. Non. Chacun s'est basé sur des preuves solides et des arguments. Et donc, il convient d'apprendre à respecter leurs efforts de réflexion et leurs ichtihadat et leurs avis. Et à les respecter, eux, avant tout. Le cher poursuit, il nous dit, a akhar ou bien il se peut que lui, il ait eu un autre hadith qui lui est, par, qui lui est parvenu et qui est... Contraire au hadith sur lequel toi tu te bases, sauf que moi, ce hadith-là contraire à celui que tu te bases, il est prépondérant. Comme je l'ai dit, voilà, les deux hadiths sont authentiques, par exemple, mais toi, ton hadith, il est juste hassan, il est correct, et moi, mon hadith, il est sahih, il est vraiment authentique. Ben, j'estime que mon hadith sahih authentique qui contredit ton hadith hassan, il est plus en droit d'être suivi. أوكور أون raison qui fait أو فهم منه ما لم يفهمه غيره. إذ من الجائز أن تختلف الأفهام في مدلول اللفظ فيحمله كل كل على فهمه الخاص. ومثال هذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله. من نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا فهما من قوله فهما من فهما من قوله تعالى او لامستم النساء فقد فهما من او لامستم النساء المس ولم يرى غيره فقال بوجوب الوضوء لمجرد مس المرأة وفهم غيره ان المراد من الملامسه في الايه الجماع فلم يوجب الوضوء بمجرد المس بل لا بد من قدر زائد كالقصد ووجود اللذة سيل الشيخ ابو بكر الجابير الجزائري رحمه الله عليه انه ديو بيان parmi les raisons pour lesquelles les savants ont divergé pour un même texte donné, et on va carrément prendre un texte du Coran, comme ça on est sûr que c'est authentique, il n'y a pas de divergence sur l'authenticité, un même texte donné, un verset coranique, et bien tout simplement, il se peut que deux mouchtahidoun, deux savants, dotés d'efforts de réflexion, ont pu comprendre ce texte d'une façon différente. Toi, tu l'as compris ainsi, et moi, je l'ai compris totalement autrement. Et donc, forcément, on va diverger sur le jugement relatif à ce verset-là. Qu'est-ce que ce verset-là signifie Qu'est-ce qu'il implique comme jugement Et il nous a donné un très bel exemple, le shir. Et un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, et peut-être nos amis comoriens. C'est la, la rupture des ablutions suite au toucher d'une femme étrangère. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. Chez les Shafi'ites, si ta peau touche la peau d'une femme étrangère, cela casse immédiatement tes ablutions. C'est-à-dire qu'avec ta main, tu touches la main d'une femme, tu serres la main d'une femme, d'une collègue au travail, ça casse tes ablutions. Et ça, c'était l'avis, euh, minoritaire, tenu par les Shafi'ites. La majorité des savants n'ont pas vu ainsi. Est-ce que l'imam Shafi'i, il a euh, édit, énoncé cet avis-là, il a donné ce jugement-là, cette fatwa-là, en se basant sur rien, sur du vent. Il a eu envie d'inventer, de mentir sur Allah et sur sa religion, absolument pas. Il s'est basé sur un verset coranique. La parole d'Allah, notamment, le verset 43 dans la Sourate Les Femmes, An où Allah, lorsqu'il nous parle des annulatifs, des ablutions, il nous dit « ou pas, pardon, pas les, les, les annulatifs des, des ablutions, mais ce qui implique euh, de renouveler son rousle et bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit « ou bien « vous avez touché les femmes ». et bien, l'imam al-Shafi'i, lui, il a compris « ou la toucher les femmes » comme... Le toucher euh, au, au premier sens du terme, le simple fait du, du contact physique entre la peau d'un homme et la peau d'une femme. Et donc il considère qu'il est obligatoire de refaire ses ablutions suite au toucher d'une femme en raison de ce verset là, qu'il a compris ainsi: il a compris la mastomoniissa, comme le simple contact alors que les autres savants ils ont compris al-mula masa comme étant en réalité le commerce charnel c'est ce qu'on appelle dans la langue française un euphémisme allah subhanahu wa a usé ici par pudeur d'un euphémisme pour signifier le rapport sexuel donc aula mastumun ce qui est en réalité voulu ici c'est pas juste le toucher des femmes, mais c'est le rapport sexuel avec les femmes. Et donc, oui, le rapport sexuel avec une femme oblige, comme on le sait effectivement, à renouveler ses ablutions majeures. Et donc, il considère, cette majorité de savants, qu'il n'y a pas besoin de renouveler les ablutions. Euh, que ce soit majeur ou mineur, pour le simple toucher, parce qu'ils disent que ce n'est pas le simple contact qui est voulu dans ce verset-là. Donc comme on le voit, pour une divergence de compréhension, que ce soit d'un verset ou d'un hadith, les savants ont pu diverger. Et si le Cher nous soulève une question judicieuse, il nous dit, quelqu'un pourrait poser la question, pourquoi l'imam Shafi'i ne s'est-il pas rangé à la compréhension de tous les savants qui l'ont contredit sur cette question On pourrait se dire, ben oui, effectivement, il aurait pu se dire, bon... Tout le monde roule en sens contraire, peut-être que c'est moi qui roule en sens inverse sur l'autoroute et non pas tous ceux qui roulent <laughs> dans ma direction. Donc peut-être que l'imam Shafiri aurait pu se dire, bon ben comme je suis un petit peu seul à tenir cet avis-là, peut-être que j'ai tort, donc je vais me ranger à l'avis de la majorité. Et ainsi il aurait pu euh, apporter la, la concorde et l'union et il n'y aurait pas eu de divergence. Sur cette question, on pourrait se poser cette question là. Quelle est la réponse que nous apporte le Shir Il nous dit al-jawab annahu la yajuzu abadan an yafham an rabbihi shay'an la yukhalijuhu fihi adna raybin thumma li limujarradi ra'y ou fahm imam akhar Là, c'est une règle que Sheikh islam ibn Taymiyyah a justement expliqué dans son livre, ainsi que d'autres savants, c'est que le savant Mujtahid, il est dans l'obligation de suivre la vérité qui lui est apparue d'après sa compréhension pointu des textes, parce qu'il a les outils, il a la langue arabe il a le fiqh, il a les usuls la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence, il a les fondements de, de, de la science du hadith il a les fondements de la langue arabe il a tout, donc il a tous les outils pour comprendre par lui-même le Coran et la Sunna, il n'a pas besoin d'autrui pour comprendre le savant et la Sunna, ça c'est le savant Mujtahid Eh bien le savant Mujtahid il est dans l'obligation de suivre ce que sa compréhension l'a amené à comprendre du Qur'an et de la Sunna et il ne doit pas se ranger à l'avis contraire qu'aurait tenu un savant et qui, selon son opinion et son ijtihad à lui, serait un avis faux. Donc, pour l'imam al l'avis de l'imam Malik Abu Hanifa Ahmed sur la question est un avis faux. Pour lui, ils se sont trompés parce que tout il faut le comprendre comme étant le simple toucher, le simple contact. Faut pas le comprendre comme étant le rapport sexuel. Donc, est-ce que l'imam Shafi'i, qui est sûr de lui et de sa compréhension, et qui est sûr que les autres savants se sont trompés et ont mal compris le Quran, est-ce qu'il a le droit, pour soi-disant, éteindre le feu de la division, se ranger à leur avis à eux, alors qu'il sait que c'est une erreur? Eh bien là, ce serait très grave ce serait très grave religieusement qu'il qu agisse ainsi qu'il raisonne ainsi et que sciemment, il délaisse son avis qu'il considère pourtant authentique, quitte à être le seul à avoir bien compris le Coran au milieu de, tout, de toute sa génération pour se ranger vers un avis qu'il juge intimement faux et basé sur une mauvaise interprétation du Coran et une mauvaise compréhension du Coran. Donc voilà pourquoi les Mujtahidun ne revenaient pas sur leurs avis lorsqu'ils étaient persuadés d'être sur la vérité sous prétexte d'essayer de s'unir tous sur un seul et même avis. Et voilà pourquoi les compagnons eux-mêmes divergeaient également parfois <coughs> sur des avis jurisprudentiels. « Na'am, lau anna fahmahu نعم عارضة عارضة نص صريح من كتاب او سنة لوجب عليه التمسك بدلالة النص الظاهرة، ويترك ما فهمه من ذلك اللفظ الذي دلالته ليست نصا صريحا ولا ظاهرا، اذ لو كانت دلالته قطعية لما اختلف فيه اثنان من عامة الائمة فضلا عن من عامة الامة فضلا عن الائمة. Et ici le cher conclut en nous disant oui si sa compréhension du texte s'opposait à un autre texte clair de la sun, du Coran ou de la Sunna alors il aurait été dans l'obligation de délaisser sa compréhension et son avis pour s'accrocher à l'autre texte clair du Coran et de la Sunna. Mais ici ce n'est pas le cas. Le texte du Coran, du, du il est déjà clair. La Nisa vous avez touché les femmes. Et pour lui, c'est clair, c'est un euphémisme qui ne contredit pas d'autres textes clairs. Donc voilà pourquoi lorsque ça ne contredit pas d'autres textes clairs, il est dans l'interdiction de se ranger à un avis qu'il juge faux et de persister sur son avis à lui. Par contre, s'il lui apparaît que sa compréhension d'un texte que ce soit coranique ou prophétique, contredit d'autres textes plus clairs ou plus authentiques, alors là, oui, effectivement, le mujtahid a l'obligation de délaisser son avis, de revenir sur ses avis et de formuler, d'opter pour l'avis contraire. Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'a fait l'imam al-Shafi'i dans nombre de questions religieuses. Et c'est pourquoi il avait d'ailleurs un ancien madhab, et on parle de al-madhab al-Qadim. L'ancien madhab fiqhi et l'ancienne école shafi'ite. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a vu de nouvelles choses et il a complètement, enfin, pas complètement, mais il a, euh, fait, il a, il a, reformulé un grand, il est revenu sur un grand nombre de ses avis. Et alors, on a appelé ça al-madhab jadid le nouveau madhab de l'imam al-shafi'i. Preuve que l'imam al-shafi'i, comme tous les autres grands imams, de sa génération n'avait pas honte et n'avait aucun orgueil et aucune gêne à revenir sur des avis, sur des fatwas, sur des jugements qu'ils avaient donnés parce que la vérité leur était apparue comme étant contraire à ses anciens avis. ان الحمد لله رب العالمين